Salut, je te retrouve pour une vidéo de circonstances en extérieur puisqu'on voit que le ciel est bien nuageux et c'est justement les conditions idéales pour tester l'efficacité d'une batterie avec panneau solaire. Hop, j'avais eu l'occasion de la tester en plein soleil et j'avais été assez impressionné de l'énergie récupérée. Donc là, on va voir si c'est toujours aussi efficace par un temps plus que mitigé. Et voilà, je vous retrouve avec ma batterie qui est en train de charger mon smartphone. Donc elle était une bonne partie de la matinée en intérieur derrière une vitre. Et puis je l'ai positionnée ensuite en extérieur. Mais il y avait vraiment beaucoup de nuages, donc elle a passé à peu près 4 heures en extérieur, bien derrière des nuages d'ailleurs. Là, ça se découvre à peine en fin de journée. Mais sinon, c'était vraiment des gros nuages toute la journée. Donc, on va voir si il y a une petite efficacité. Je suis pas super optimiste parce que là, on voit une aide. Bah, voilà, déjà, quand elle a dit comme ça, bon, là, c'est qu'elle est en train de charger. Mais bon, là, elle va pas charger grand-chose, hein. Mais quand on a le petit indicateur, voilà, sur le côté, on voit une LED bleue à peine allumée. Donc, c'est pas super bon signe, c'est qu'elle a pas récupéré beaucoup. Donc je ne pense pas que la charge va durer longtemps. Bon, on voit que la batterie est en fin de vie, hein. Elle est en train de clignoter. Et à dire vrai, c'est la deuxième fois qu'elle fait ça, puisque je l'ai débranchée et rebranchée. Ça a redonné un petit coup de boost, on a pu recharger un tout petit peu. Et là, je viens de faire exactement la même manip. Donc là, je recharge à minima, vraiment, je puise sur les derniers soubresauts de la batterie. Et je l'avais quitté à 18% et on est quand même à 40%. Donc c'est quand même plutôt plutôt bon. Je m'attendais pas à récupérer près de 20% de batterie avec un temps quand même vraiment pas terrible. Mais voilà, 20% c'était quand même pas terrible. Et on voit qu'elle était toute la journée en charge et qu'on a récupéré que 20%. Alors que j'avais fait une autre journée. Alors vraiment en plein hiver où j'avais fait du 10-17 heures avec un franc soleil et j'avais récupéré 50%. Donc là, une journée un peu plus longue, hein, on est déjà début avril avec un ensoleillement par contre bah, bien caché, hein, pas mal de nuages. On récupère vraiment très difficilement 20%. D'ailleurs là on voit que c'est complètement arrêté. Voilà. Donc là, on a récupéré à peu près 20% en forçant un peu la batterie. La dernière fois, c'était vraiment sans même la forcer, c'était 50%. Donc on voit que sur ce type de chargeur, même si on va le voir quand on l'ouvre, il va tout de suite se mettre à clignoter comme si il chargeait. Voilà, là on voit qu'il s'allume. Et normalement, une petite LED verte pour indiquer qu'il charge. On ne la voit pas. Mais le fait qu'il s'allume comme ça, c'est que normalement il charge. Et bah voilà, en fait, il ne charge pas vraiment. Il fait plus ça pour le folklore. Dès qu'il y a de la lumière, c'est pareil. D'ailleurs, il se met à clignoter. Il fait comme s'il chargeait. Mais au final, il ne charge pas vraiment. Il faut vraiment un franc soleil. Et si possible, l'incliner. Hein. C'est ça aussi qui va faire pas mal de différence si on le met tout simplement à plat. Ça sera pas terrible, il faut vraiment aller chercher le soleil un peu à la manière des panneaux solaires qui sont posés sur le toit. Hein. C'est incliné, c'est pas pour rien que c'est efficace. C'est qu'il faut aller chercher avec une certaine inclinaison le soleil pour vraiment récupérer un maximum d'énergie. Bon, en tout cas, c'est quand même beaucoup plus performant que les simples batteries qui sont à une phase comme ça, où là on récupère vraiment quasiment rien. J'avais fait le test avec une batterie en plein soleil toute une journée. Et j'avais récupéré 20%, je crois, un peu moins de 20% de batterie avec un franc soleil, mais d'été toute la journée. Donc là, c'est vraiment pas une solution viable. Alors que ça, déjà, c'est plus intéressant comme solution. Je te retrouve pour la conclusion de ce test que j'avais démarré il y a quelques jours. Là, j'ai tenté 3 jours légèrement incliné, grand ouvert sur mon toboggan. Et du coup, les conditions climatiques étaient bien meilleures que celles du précédent test, mais ce n'était pas non plus un temps sans nuages. Donc il y avait un jour vraiment sans nuages, par contre, du matin au soir, grand soleil.
Donc là, c'est l'idéal. Deux jours avec du soleil mitigé, il y a même eu un peu de pluie, quelques passages nuageux avec de la pluie, et souvent une petite brume qui ne faisait pas un franc soleil. Et j'ai déjà remarqué que ça influait beaucoup sur la recharge. Donc, un jour, parfait, deux jours, avec quand même du soleil et tout, mais pas franc soleil. Et le résultat, c'est que c'est plutôt bon. Hein. On a un petit bouton pour tester. Et voilà. Et donc là, on a 3 points de batterie sur 4. Alors peut-être que le troisième commençait juste à arriver et qu'on est plutôt sur 2. Mais j'ai de quoi quand même charger entièrement mon smartphone au moins une fois. Ça, c'est sûr. Et même un peu plus. Donc c'est quand même plutôt pas mal pour l'avoir oublié 3 jours. C'est une alternative quand même crédible du coup quand il y a du soleil, mais un chargeur classique. Alors j'ai vu pas mal de critiques sur internet où les gens critiquaient la réelle autonomie. Alors moi dans mes tests, dans toutes les batteries, il y a 25% de perte. Ça c'est d'office, quelle que soit la qualité des accus, dans les cycles de charge-décharge, ça chauffe un peu, il y a une perte d'énergie, c'est classique. Et on l'évalue à peu près à 25% en moyenne, on va dire sur la plupart des batteries. Là, j'étais à 36. Donc effectivement, les accus, on va dire qu'ils sont pas d'excellente qualité. Ça permet d'avoir quand même, comme on partait de 25 000 à la base, 16 000 mAh à récupérer. C'est quand même pas mal. Vraiment utile, on va dire. Et donc c'est plutôt bon. Le poids, on était au-dessus un peu de 500 grammes. Et la qualité, pareil, certains critiquaient la qualité. Moi, j'ai pas, je l'ai oublié une autre fois, une semaine. J'ai vraiment oublié, il a plu et tout. Et bah, je le trouve plutôt en bon état. Hein. Donc voilà, après, j'ai pas fait dans des conditions super extrêmes non plus. Mais je trouve que quand même, il s'en tire pas mal. On a aussi une fonction sympathique, si on reste appuyé, qui... Et une petite lampe qui éclaire quand même assez bien. Donc c'est toujours utile hein, en camping, dans une toile de tente et tout. C'est plutôt sympa. Et elle dure vraiment très très longtemps. J'ai pas fait le test d'autonomie parce que c'est de la LED et ça dure vraiment super longtemps. Parce qu'on arrive à l'allumer même quand elle est HS. Donc il reste toujours un petit fond d'énergie pour alimenter la lampe. Donc ça prend vraiment pas grand chose. Voilà. Et je précise que le lien que je mets dans ma description, ce n'est pas un lien d'affiliation. Donc je n'ai aucun intérêt à vous vanter ce produit. Si ce n'est que je l'ai étudié depuis quelques mois et que j'en suis satisfait, que c'est la première fois que je trouve qu'il y a des panneaux solaires inclus dedans et que c'est vraiment fonctionnel. Parce que j'en avais un autre comme ça, qui était juste avec un seul panneau. Et là, on chargeait vraiment très très peu. Et parfois, ça déchargeait même le smartphone. J'avais fait une journée vraiment pas terrible avec du soleil qui était seulement par intermittence. Et du coup, l'écran n'arrêtait pas de s'allumer, de se couper, de s'allumer. Et finalement, j'ai perdu 2% de charge en une heure, puisque du coup, il ne chargeait rien du tout, tout simplement. Puisque comme le soleil n'est pas suffisant pour apporter de la charge à l'appareil, et du coup, comme avec l'écran qui s'allumait, s'éteignait, enfin bref, c'était contre-productif, alors que là, avec ce système-là, je trouve ça bien plus agréable et puis au moins on n'a pas besoin de se coltiner des énormes panneaux solaires pour une efficacité quand même toute relative parce qu'il faudra toujours de toute façon une inclinaison par rapport au soleil. Voilà, après c'est peut-être pas non plus si on se positionne dans quelqu'un qui l'utilise en conditions on va dire vraiment idéales et pratiques sur un sac à dos et tout. Donc là, pareil, il va falloir chercher un angle comme ça. Donc, c'est pas forcément évident à trouver un bon angle. Et puis, si on fait de la montagne face au soleil, bah, s'il est comme ça, ça ne chargera rien du tout. Donc, enfin, voilà, c'est quand même assez contraignant. Et ça ne va pas être une solution. Pareil, on voit des fois des photos où on le laisse juste comme ça. Mais là, il ne fera pas grand-chose avec le soleil. Ou alors, il faut que ce soit un soleil quand même plutôt de 16-17 heures de fin de journée. Et qu'il soit bien à taper dedans, donc là il sera un peu efficace, mais voilà, c'est avec toutes les réserves de ce type de produit, mais en tout cas ça peut être une alternative en fonction évidemment des besoins de chacun. Voilà, je crois que j'ai déjà été très très long, donc je vais pas en rajouter plus.
Et j'espère vraiment que cet aperçu vous aura été utile. Merci, bye bye!